Cette gamine, assise en pleurs, que chagrine de trop grands malheurs. Les grandes s'amusent sans elle, exclues de la bande, elle reste toute seule. Une qui commande des favorites, il paraît qu'elle est trop petite. À la Marelle, il y a des VIP dans les maternelles, comme en boîte de nuit. Mais faut pas pleurer, ça va s'arranger. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu voulais que je lui dise que ça ne fera qu'empirer? Le plus triste, le plus dommage, elle le sait pas, c'est de son âge. Mais elle-même un jour, elle fermera sa porte. Quand à son tour, elle sera la plus forte. Ce garçon, assis dans un coin, 15 ans, la tête dans les mains. Premier amour, premier chagrin, comme le shampoing, la formule 2 en 1. Il a beau dire que c'est pas grave, jouer les hommes, faire le brave, la savoir dans les bras d'un autre, ça lui brise le cœur, ça lui ronge le ventre. Mais faut pas pleurer, ça va s'arranger. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu voulais que je lui dise que ça ne fera qu'empirer, qu'il a pas fini de pleurer, que la leçon n'est jamais apprise. Mais si ça peut le rassurer, lui-même un jour en fera sa valise. Cette femme qui cache ses pleurs, le café coule dans la cuisine. Son patron n'était pas fier, faut dégraisser, drôle de régime. Chemise cartonnée, demande de formation, dossier bien classé, lettre de motivation. D'un geste elle balaye, de tristesse et de rage, les fiches de paye, les demandes de stage. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Puisqu'elle savait déjà, elle le savait mieux que moi, que ça ne va jamais s'arranger, que ça ne fera jamais qu'empirer. Ce vieil homme fatigué d'Algérie, qui regrette son Maghreb jour et nuit, tout juste toléré aujourd'hui. Faut dire que ça fait 30 ans qu'il est ici, qu'il ne sera jamais propriétaire, qu'il occupe une chambre de bonne au pays de Voltaire, au pays des Lumières et des droits de l'homme. Ce sans-papier rejeté qui repart sans même dire au revoir, sans nous dire merci, pour le billet de charter gratuit vers la misère de son pays. Ça le soulagera sûrement d'apprendre, il faudrait quand même pas qu'il oublie qu'on a gravé fraternité sur le fronton de nos mairies. Ce tolard emprisonné dans une cellule à 6, il devrait en profiter, parce que bientôt ils seront 10. Ce malheureux qui dort sur une ventilation de métro, il s'en fout de savoir que je le chante pas assez fort et beaucoup trop faux. Qu'est-ce que tu voulais qu'il me dise? Qu'est-ce que tu voulais qu'il me dise ?